Bonjour, je m'appelle Marc Mboulé, je suis ingénieur en aquaculture. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous parlons d'investissement et de pisciculture. Si ce thème vous intéresse, alors je vous souhaite encore une fois de plus une bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, mais 2023 n'a pas été une saison facile pour nous. Donc, je vais prendre le temps aujourd'hui de vous expliquer, de vous donner un récapitulatif de ce qui s'est passé réellement en 2023. Nous allons parler de plusieurs aspects, pourquoi j'ai eu tant de difficultés et quels sont les moyens de restructuration que j'ai eu à mettre en place afin de pouvoir promouvoir mon année 2024 pour qu'elle soit meilleure générique. Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Vous savez, j'ai lancé cette chaîne dans le cadre de pouvoir promouvoir la pisciculture en Afrique. L'Afrique a besoin des jeunes qui s'investissent dans les domaines de l'agro-pastoral, l'immobilier, l'entrepreneuriat. Et de plus en plus, cela se détache de ce monde pour se rattacher vers le côté bureaucratie. C'est pourquoi aujourd'hui, cette chaîne a déjà plus de 16-17 000 abonnés et nous comptons encore remonter ces abonnés-là avec un retard que nous avons eu accusé en 2023. Pourquoi nous avons accusé un retard en 2023? 2023 a été une année très difficile parce que nous sortons d'une période de Covid, un Covid qui nous a fait aller en faillite parce que nous avons tout perdu. Nous avons perdu beaucoup de millions de francs CFA, ce qui nous a rendu la vie très difficile parce qu'il fallait non seulement restructurer l'entreprise, revoir le capital et pouvoir améliorer notre santé financière. Mais du coup, ce n'était pas seulement un problème de santé financière, il y avait aussi la santé physique qui était en jeu parce que j'étais malade. J'ai eu fait beaucoup de mois de maladie, sans toutefois oublier les investissements et les dettes que j'avais. Tout ça a joué dans le cadre de la dépression qui a fait mon absence en 2023. Pourquoi 2023, c'est une année qui a été aussi une année d'apprentissage? Pourquoi? Parce que j'ai compris comment est-ce que vous pouvez entrer facilement dans une dette et ne plus ressortir. J'ai compris comment est-ce qu'on fait pour pouvoir sortir d'une dette. Et c'est pourquoi, d'une certaine manière, nous avons mis en place 4 étapes pour pouvoir nous en sortir en année 2023. Et que 2024, c'est une année de solutions, une année de restructuration. La première étape qui va être l'explication de mon absence pour 2023, c'est d'abord mon état de santé. Je suis tombé malade il y a cela quelques mois pour pouvoir m'en sortir. Je me suis détaché de tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, tout ça, afin de pouvoir restructurer ma santé. Et lorsque j'ai commencé à reprendre ma santé, le deuxième problème qui est arrivé, c'était le problème des dettes. J'avais accumulé plusieurs dettes pendant la période de Covid, ce qui fait en sorte que ces dettes ne m'ont pas laissé, ces dettes ont continué à me suivre, mais j'ai dû rembourser une grande partie et accumuler d'autres dettes. Mais cette année, nous avons eu à mettre en place des stratégies afin de ressortir de ces problèmes de dettes. La première stratégie, c'était d'abord de pouvoir restructurer le capital. Nous avons accumulé pendant l'année 2023 une certaine somme. Ce budget est un budget que nous allons utiliser pour pouvoir relancer l'entreprise. Et à partir de là, produit pour pouvoir rembourser nos différentes dettes, les dettes bancaires, les dettes financières liées au crowdfunding et tout ce qui concerne les spéculations d'entreprise. Et vous devez savoir que pour cette année, ce qui vous concerne, c'est comment est-ce qu'on se lance dans la pisciculture de la manière adéquate parce qu'il ne s'agira plus seulement de vous lancer avec des financements participatifs venant de toutes parts, mais de pouvoir comprendre quels sont les rouages qui vont vous permettre de pouvoir vous en sortir dans ce monde où il n'y a que des requins. Je vais vous expliquer durant cette année les méthodes de financement appropriées pour la pisciculture et l'agro-pastoral en général. Je vais vous expliquer pourquoi il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que les investissements, c'est comme des œufs. Il faut faire très attention lorsque vous êtes en train de travailler avec des œufs. Alors, je vais aussi vous parler de comment est-ce qu'on investit dans des projets piscicoles rentables. Là, vous allez peut-être voir un projet, nous sommes en RDC. Il s'agit d'un projet extrêmement rentable. Je vais vous expliquer comment est-ce que ce projet a été monté. Je vais vous parler des techniques de production qui s'adaptent aux différentes spéculations que vous avez en termes de poissons. Je vais vous parler cette année des différents investissements que vous pouvez faire à faible coût afin de pouvoir aller étape par étape. Nous allons faire beaucoup de conférences cette année. Nous allons créer des entreprises. Nous allons travailler dans l'amélioration des compétences techniques liées à la pisciculture. Nous allons relancer tout notre projet Aquarine Industries. Alors, je vous demande de vous abonner. Je vous demande
d'aimer tout ce que nous faisons. Je vous demande de porter haut et que tous ceux qui ont des problèmes contre moi, qui ne s'inquiètent pas, je suis disponible au plus 237 692 39 22 71. Reprenez ce numéro dans vos cahiers et contactez-moi pour que nous puissions résoudre nos différends afin que l'année 2024 soit une année de prospérité. Alors, n'oubliez pas de partager la vidéo, d'écrire à vos amis, de vous abonner massivement, de pouvoir commenter si possible. Je prendrai le temps de répondre à vos différents commentaires. Merci beaucoup de me suivre tous les jours, de m'écouter. Et nous nous disons à plus parce que chaque semaine, vous aurez une vidéo en ce qui concerne les stratégies d'investissement et de pisciculture. Je vous remercie. À bientôt.